Salut à tous, c'est Zitlit. Aujourd'hui, on va faire un petit vlog à Malte. Attachez-la à l'avant et fixez-la. Cale pour un gonflage ou un dégonflage sur. C'est parti, on va en ville. Ça c'est le petit avion, on va prendre le bus et après on va en ville. Là on prend un petit bus pour aller à La Valette, donc à la capitale. Et, franchement ça a l'air sympa, il fait déjà très chaud, il est 8h25. Voilà, pas toute la tchat. Donc bon, on vient d'arriver, on voit qu'il y a quand même une grosse communauté de pack-packs. Donc on va faire attention aux sacs pour éviter les pickpockets, parce que sinon ils vont se retrouver en Inde ou en Sri Lanka. Bisous la team. Bon, premier petit souci, je suis allé voir l'hôtel que j'ai réservé. Je me suis trompé de ville. En fait, on va à La Valette et j'ai pris la ville à côté. En fait, sur la réservation, j'ai tout lu, hein, sauf Nir La Valette. Proche de La Valette. Du coup, ben voilà, déjà, problème, on n'est pas au bon endroit. Je m'occupe des trucs, je foire déjà. Bon, on est arrivé. Franchement, ça tue, hein. J'aime bien le mood. La valise, elle fait 20 kg là, c'est une folie. Bon, en vrai, pour l'instant, c'est stylé. Une belle vue, tranquille. Non, franchement, c'est une folie. Hein. Putain, c'est énervé. Putain, en marbre, je crois. Ça tue pour l'instant. Salut toi. Bon, là, je suis en train de passer un petit tournage. Alors, attendez, tout ça. Voilà, vous voyez la caméra derrière. Bon, après, ils sont pas encore autant connus que Z-Clips. Mais voilà, c'est un petit studio sympa. Ouais, donc c'est lui, il est en train de filmer. Bon, il est pas très connu l'autre, mais... Bon, voilà, c'est là où on dort ce soir. C'est faux. Voilà, petite place sympa. Bon, il est 8h30, il fait déjà au moins 25 degrés. C'est une folie. Incroyable. Beau petit parc. On verra la vue tout à l'heure, je pense. Je pense qu'on va s'arrêter boire un coup, là. Petite vue, là. Et un côté un peu grec. Voilà. Petite église, on n'a pas le nom. Hop. Franchement, ça tue, Malte. Donc là, on est à La Valette. Alors, franchement, il y a un mood un peu Italie, Grèce. Stylé. Bon, allez, on va s'arrêter boire un coup. Bon, voilà, on s'est arrêté dans un petit café. Bon, regardez le prix des alcools. Bon, c'est pas cher. Tain, mais tu m'étonnes, tout le monde vient ici faire la fête. Et carrément chaud de bas. Bon, le focus dégueulasse. Voilà. Bon, 17,30 pour tout ce qu'on a mangé, franchement, c'est honnête. Hein. Mon hamburger 5,50. Franchement, ça va. Bon, là, c'est ton truc, c'est le plus cher, ça le met là, 6€. Ouais. Mais ça va en vrai. Bon, deuxième petite anecdote, je paye en espèces, 17,30€. Il me rend pas la monnaie. Donc là, j'attends, ça fait 5 minutes. Mon billet de 20, je pense qu'il a compris que c'était un pourboire. Je commence à bien me faire baiser dès que j'arrive. Hop, 3€ pour moi. Petite bibliothèque. La rue est stylée quand même. C'est abusé le contraste. Là, le contraste entre la ville. Ah, franchement, c'est trop joli. Bon là on va pas tarder à aller bouffer, on a bien visité déjà. Et on va aller voir un peu la spécialité, qu'est-ce qu'ils mangent ici. Voilà, on a une belle vue. Terrain de foot là-bas. Pas mal de parcs en vrai, c'est cool. Ah ouais, mais là-bas ils vivent. Il y a une petite piscine à débordement. C'est joli. On va arrêter au resto. En face de la bibliothèque, on était passé tout à l'heure. Donc on a un beau cadre. Le drapeau là. Petit débrief, mais on voit ce que j'ai pas aimé quand j'ai les légumes. Mais sinon c'était très bon. Mis à part les mouches, c'était un peu casse-cou, mais le cadre est vraiment sympa. Saumon, il était vraiment carré. Hein. Bon, cet après-midi, on va à l'hôtel, on pose les affaires et on charge un peu le tel.
Et cet après-midi, je crois qu'on va faire un tour de bus où on verra. Voilà, on se retrouve après. Bisous. Hop, transition, tu n'as rien vu. Boum, on est où? On est dans le train. Bam, visite en train, c'est parti, let's go. C'est vrai que ça penche beaucoup, hein. Tout en descente. C'est joli, hein. On prend un virage à 90 degrés, ça régale. On a un maximum de sensations à gauche, c'est la foule. Donc en face, on a un petit fort historique, on a quelques bateaux. Voilà, et au fond, on a. Parce que c'est là, j'ai rien compris ce qu'ils disent en anglais, mais en fait l'eau est vachement bleue. Ouais, il y a la flamme olympique, je pense qu'ils sont trompés d'endroit. Ils sont comme ce malté, c'est malté vert. Ça c'était notre petit bolide, on s'est bien régalé. Là on va manger une petite glace, la petite roller. Pour une petite dégustation, j'ai pris mangue vanille. Voilà, la mangue est très bonne. Voilà, j'ai confondu, mais ouais, c'est exceptionnel. C'est des folies. Bon, la team, là, petit moment de pause. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, mettre en commentaire si ça vous a plu. Il y aura peut-être un épisode 2, parce que là, je sais pas combien de minutes ça fera la vidéo. Voilà. Donc là, en attendant, j'attends Salomé, parce qu'elle a pris 45 magnettes et 36 cartes postales. Donc elle fait ça dès qu'on part en voyage. Mais bon, ça, c'est une meuf, tu connais. Voilà. Donc ce soir petit resto et après on verra demain, on va Blue Lagoon, on fera des trucs en bateau tout ça, donc je sais pas si je le garde dans une vidéo ou je le fais un condensé demain, je vais voir ça tout à l'heure. Allez bisous, ciao. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Belle vue. Donc là on a pris petit cocktail, donc moi je sais pas, j'ai pris un truc spécial, un peu un truc de daron. Salomé t'as pris un mojito et la petite vue, ça régale. Bon, petit update, je me suis trompé de cocktail, c'est beaucoup trop fort. Des petites dégustations, je refais. Voilà, c'est dégueulasse, on se régale. Belle vue mais pas beau. J'ai gardé mon cocktail et après plusieurs échanges j'ai passé le truc au-dessus, on va goûter. Oh, vachement agrume, c'est bon? Meilleur ça? Oula, je vais faire tomber, ouais, pas mal. Bien gros, après j'ai mon petit verre. Et toujours la belle vue. Regardez, le bateau il est plein. Hop, les petits scouts, on refoule. Ils peuvent pas monter sur le bateau. Bah, moi, ça est en train de bien se passer, hein. Franchement. Salut, salut, j'espère que vous allez bien, je vais me resservir un cocktail. Bon, on continue avec un petit restaurant. Devant la mer, on va reprendre un peu de vin quand même histoire de te finir la soirée. Bien brouillant. Bon, petit verre de vin blanc, chardonnay, petit merlot face à la mer. Que demande le peuple? On verra les plats. Vous savez qu'on a une belle vue. Hein. Donc là, petite viande, verre de vin rouge, légumes, patates, sauce mushroom. Bon, toi, t'as pris quoi ça, Salomé? Moi j'ai pris un petit camembert aux tomates séchées. Ah ouais, t'as la vraie française quoi. Petit verre de vin blanc et belle vue surtout. C'est beau. Les gars, je sais pas si c'est une coïncidence. 2-0 l'OM contre Brighton. Au moment où je tourne la vidéo, c'est magnifique. J'avais même pas vu le match, je suis trop content. J'espère qu'on gagne le match. Brighton, on vous pèse, c'est la mi-temps. Je retourne vers vous à la fin du match pour savoir si on gagne. Voilà, mais je croise les doigts. Parce que j'ai pas le droit de le match. Parce que moi je suis un chat noir. Hein. En tout cas, ça s'est très bien passé là, tu vois. Hop, je finis un peu le verre de vin rouge, petit dessert, elle se régale. Salomé, t'as pris quoi toi? C'est des cannoloni. C'est bon? T'as quoi, de la crème dedans? Moi j'ai pris petit brownie avec pistache boule de couille. Voilà, donc là, et après on va rentrer à l'hôtel. Ça sera la fin du premier vlog. Oula, blog, non, je commence à être bruncetta. Non, ça c'est la bruschetta. Bruncha. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour le vlog numéro 2 de Malte. Bisous. Ciao tout le monde.
Bon, désolé, je reviens après l'outro. Marseille 2-2 contre Brighton. Putain, je suis dégoûté. Bonne nuit.